Je suis arrivé sur le rucher de Montgeron pour voir si la tente se comportait bien. Apparemment, c'est le cas. Il y a le plus important pour moi, c'est de vérifier qu'il n'y a pas trop d'abeilles en haut des tentes parce que c'était le cas au début. Là, c'est complètement normal. On voit quelques abeilles. Franchement, c'est parfait. En bas, on voit qu'il y a des abeilles qui sortent normalement, donc c'est bien intégré. Là, c'est une porte qui est peut-être un petit peu trop haute, mais c'est bien au début. Derrière, bien sûr, c'est beaucoup trop. La porte devrait être plus basse. Je vais la baisser un peu. Et devant, ça devrait être plus bas. Mais je ferai les réglages quand je verrai des frelons. Il y a quand même un frelon qui a réussi à se faire capturer. Il est là. Il y a pour l'instant très peu de frelons sur le rucher. Il y en a quand même un qui est là, qui s'est fait capturer. Je ne sais plus où il est. Est-ce qu'il vole? Il ne vole pas, il marche. C'est un petit frelon. Ouais, il est là au fond. Voilà, frelon capturé. On voit qu'à côté, les abeilles traversent vraiment facilement. Et lui, il traverse pas. Tiens, oui, bah, c'est un petit. C'est du 5 mm. Avec 5 mm, là, les frelons, quelle que soit la taille des frelons, ils ne peuvent pas sortir. On testera avec le 6 mm. Ça, c'est plutôt un test qu'il faut aller faire avec la dernière tente qui se trouve à Crône. Je sais pas si on voit. On voit. Ouais, là on voit là. Ça va mieux là.